nous sommes dans cette magnifique région Qatar, historiquement, a beaucoup souffert, mais aussi qui a un charme fou. Alors l'histoire du château Saint-Estève est assez récente, puisque j'ai acquis cette propriété en 1984. Mes parents étaient viticulteurs dans le Biterrois. J'ai fait des vendanges, j'ai fait la vinification, j'ai vu la vie du vin. Je me suis dit que les Corbières étaient un site quand même encore inexploité. Nous avons, nous, plutôt des vins de qualité, qualitatifs et des cépages qualitatifs, sur des terres extrêmement rudes, donc qui favorisent cette qualité. Sur tout ce qui est haut de gamme, dans les qualitatifs, nous le faisons manuellement. Pour la simple raison, c'est que ça évite d'avoir dans la vendange des déchets qui polluent un peu le vin au départ des fermentations et qui peuvent donner de temps en temps des petits arrière-goûts. Donc on essaye de faire des vins les plus souples possibles. Les machines à vendanger aujourd'hui, vous avez pu en remarquer, on en a une vieille que nous allons mettre à la retraite. Et nous avons fait aujourd'hui devant vous un essai sur une nouvelle machine qui fait du tri de vendange. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les machines sont équipées pour faire du qualitatif. J'ai, par un accident de l'histoire, eu l'occasion de récupérer le château de Villerouge, qui avait déjà des clients en Chine. Et qui m'a, dans cette acquisition, j'ai récupéré donc ce circuit commercial qu'ils avaient en Chine, où les marchés sont encore rémunérateurs et le vin français a toute sa place, puisque le vin français fait partie du charme français, du goût, du luxe. Donc on s'est dit, il y a une place à prendre. Après tout, le Languedoc, c'est quand même une des plus grandes régions viticoles du monde, donc on devrait quand même pouvoir faire quelque chose. Au château Saint-Estève, il y a un terroir assez exceptionnel. Et le travail de l'œnologue, c'est simplement d'arriver à mettre en valeur ces raisins et ce terroir. Donc en fait, toute l'année, on suit les cuvées, on choisit la date de récolte des raisins, on essaie de les élever dans la tradition, en respectant la qualité intrinsèque des raisins. Et puis ensuite, au cours des macérations en raisins ou de l'élevage en fût, puis ensuite, lors des mises en bouteille, des assemblages qui précèdent, on essaie de mettre le meilleur en bouteille. À Saint-Estève, il y a des gens qui sont à la vigne, et leur travail est primordial, parce qu'on ne peut faire que du bon vin avec du bon raisin. Et ensuite, à la cave, c'est un travail d'équipe, puisqu'on travaille avec les cavistes, qui font ça avec beaucoup d'application. Et puis avec Eric aussi, qui déguste avec nous à chaque fois, et Queen aussi, parce que c'est important d'avoir une relation entre la production, la fabrication et puis la commercialisation qui nous influence sur le type de vin qu'il faut faire, qui plaît aux clients. Donc ça influence et ça modifie un peu l'approche que l'on a du produit final. Allez, santé.